Bonjour à tous, nous revoici pour un nouvel agro-webinaire du mardi. Et aujourd'hui, on est sur la thématique agroécologie et on va vous parler de la transition agroécologie des systèmes d'élevage, une transformation des façons de faire et de penser nécessitant un renouvellement du rapport au non-vivant. Tout un programme, et pour cela, nous accueillons classiquement trois intervenants complémentaires. Donc, Patrice Kerr, qui est animateur Réseau-Thème à la DGER en charge de l'accompagnement et l'appui à la transition agroécologique, qui était chercheur associé à l'UMR Territoire à Clermont-Ferrand. Xavier Coqui, qui est ingénieur de recherche INRAE également à l'UMR Territoire. Et Audrey Michaud, qui est enseignante-chercheure à Vétagrossup et qui, pour sa recherche, est dans l'UMR herbivore. Et donc, pendant que Patrice installe le diaporama, je rappelle à tous ceux qui arrivent que vous avez deux façons d'interagir avec nous, avec les deux boutons que vous avez en bas dans votre bannière Zoom. Le premier bouton qui peut s'appeler discussion ou converser ou chat selon votre version de Zoom, qui vous permet de nous donner des informations. Nous, on vous en donnera également et de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et le deuxième bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton QR pour questions et réponses. Et ce bouton QR, eh bien, on vous conseille vivement de l'utiliser pendant toute la durée des interventions. Voilà, donc je pense que Patrice a pu mettre son diaporama en place. Alors, il faut qu'il soit en mode voilà. Et donc, c'est OK. Donc, je laisse la parole à Patrice, du coup, qui va démarrer ce webinaire. Donc, Patrice, c'est à toi. Alors, ben, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon? Vous voyez tous? Tout est bon. Tout C'est est bon. bon. OK. Donc là, donc tu viens de nous présenter. Merci Philippe. On a voulu positionner dans un premier temps notre intervention dans le cadre qui est celui de l'Anthropocène. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par l'Anthropocène? C'est la question en fait des crises écologiques qui ont d'abord une dimension globale, comme un bouleversement climatique et l'effondrement de la biodiversité, mais qui aussi ont un caractère local et tangible. Là, on aurait pu prendre différents exemples, mais là, j'ai pris la disparition du lac bolivien Popo, donc on voit des images satellitaires. Et puis, bien sûr, plus proche de nous, la question de la sécheresse des prairies, en fait, qui pose quand même bien des questions aux éleveurs sur des questions d'alimentation, d'autonomie alimentaire, etc. Alors, c'est une crise, mais c'est une crise qui est attribuée à l'activité humaine. Et le terme, lui, il a été surtout médiatisé grâce à une intervention de Paul Crutzen, prix Nobel de chimie en 95, qui s'est exclamé, on va dire, lors d'un colloque en 2000, nous ne sommes plus dans l'Holocène, mais dans l'Anthropocène, de telle sorte qu'en fait, on marque l'espace, enfin, en tout cas, on est susceptible de laisser des traces, en tout cas, à la surface de la Terre. Alors là, j'ai deux petites représentations, entre une représentation des premiers pas de l'Australopithèque dans les sédiments de l'Olduvai en Afrique de l'Est, et puis la représentation de la main qui tient le monde, qui était l'image choisie à l'occasion du Millennium Ecosystem Assessment de 2011. Alors, bien sûr, tout ça, ça fait l'objet d'un travail depuis les années 2000 des géologues qui cherchent en fait à valider ou pas si il est bien raisonnable finalement de désigner en fait une nouvelle période géologique qui s'appellerait l'Anthropocène et qui succéderait à l'Holocène. Donc là, bon, c'est pas que c'est inintéressant, mais nous, on va plutôt s'intéresser à la question de ça va générer des récits du point de vue des sciences humaines. Et ces récits, donc il y a un certain nombre de critiques qui sont adressées à l'idée même de l'anthropocène, parce que l'idée d'anthropos, finalement, elle place la responsabilité humaine, en fait, la responsabilité de ces crises à toute l'humanité. Et ce que nous dit notamment Bonneuil et Frézeau, c'est que seuls les Occidentaux et le modèle économique qui va avec est responsable. Et ils parlent plutôt, eux, de capitalocène, voire d'anglocène, puisque ce sont les Anglais qui auraient
inventé le capitalisme. Pour Catherine Larrère, sa critique qu'elle adresse, c'est plutôt le fait qu'on continue, on poursuit en fait le récit de la modernité et où l'homme devient une véritable force tellurique. Alors, il y a un autre courant, plus collapsologique, donc qui va largement contribuer, en tout cas, à la médiatisation de ces questions de bouleversement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Et un des ouvrages essentiels, compte tenu de son succès médiatique, c'est « Comment tout peut s'effondrer » de Servigne et Stevens. Et puis, un ensemble de tribunes donc, qui ont participé à cette médiatisation. Alors, ces différents points de vue, ce sur quoi ils s'accordent, c'est de désigner la modernité, en quelque sorte, et je reviendrai sur ce mot, comme étant responsable de ces crises écologiques. Et c'est bien, finalement, ces crises écologiques qui nous obligent à penser les transitions, c'est-à-dire que si les transitions écologiques, transitions agroécologiques, etc., c'est pas, on ne fait pas une transition pour le plaisir de transiter, mais bien parce qu'on a affaire à des crises et qu'il s'agit en fait de penser un nouveau modèle. Alors, ça pose quand même un problème, et ça pose un problème. Le problème de cette transition, c'est qu'il est urgent de repenser, comme le dit Baptiste Morisot, donc philosophe de la nature, rapport. Le problème repose essentiellement sur la question du rapport des humains au vivant non humain, et pour ce qui nous concerne dans le champ de l'agriculture, dans un système de production. Donc dans le monde agricole, c'est d'autant plus intéressant que, comme le dit donc Isabelle Stengers, c'est que l'agriculture, depuis qu'elle existe, nous, les pratiques humaines ou non humains, à la terre, au climat, sur le mode d'une interdépendance irréductible et sans cesse réarticulée. Alors, de tout temps, effectivement, mais en fait, ce genre de relation va prendre une forme particulière. Je m'excuse, j'ai du vent. Prend une forme particulière au moment de la modernisation agricole du mi-temps du siècle dernier, où en fait la professionnalisation de l'agriculture va se définir dans ce qu'on appelle le triptyque entre une science légitime, l'agronomie, une raison sociale, l'alimentation, et en fait une activité et des compétences qui sont propres à la profession agricole et qui a consisté finalement à inscrire les agriculteurs dans le champ socio-économique et marchand comme des acteurs du développement comme les autres pour nourrir les populations moyennes. Non, en maximisant la production de la biomasse, moyennant les contrôles des processus biologiques et des aléas d'environnement via des intrants techniques chimiques. Ce modèle-là, il est jugé comme étant ayant une part de responsabilité dans les crises écologiques, émissions des gaz à effet de serre et participation en fait à l'altération de la biodiversité. Et il est défini également par un type de relation à la nature qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le naturalisme au sens de l'anthropologie de la nature de Descola, qui fait qu'on a une distinction entre les humains et les non-humains, entre humains et non-humains, et si nous sommes faits de la même matérialité, les mêmes atomes, les mêmes propriétés physiologiques, biologiques, etc., écologiques, finalement, seul l'homme serait doté d'une intériorité, de l'esprit en quelque sorte, et que ce processus de distinction, en fait, il est historiquement, il se fait historiquement, et donc là, il s'est fait par un processus d'émancipation. Là, on peut lire, dès l'introduction de l'histoire universelle de Michelet, avec le monde a commencé une guerre, celle de l'homme contre la nature, l'esprit contre la matière, de la liberté contre la fatalité, c'est une lutte. Chaque jour, l'homme prend quelques avantages sur elle. Toujours est-il que c'est ce que Albert North Whitehead, lui, définit ce naturalisme comme étant contribuant à une bifurcation de la nature, c'est-à-dire que on va établir deux types de réalités. Une réalité d'un côté qui est celle de la nature, donc une nature qu'il s'agit d'objectiver, qui est régie par des lois universelles que l'observation et le calcul permettent de formuler. Donc ça, c'est Isaac Newton. Et puis David Hume qui dit la pure perception, c'est-à-dire du côté finalement de ce qui relève des humains, la pure perception par l'essence ne fournit pas les données nécessaires à sa propre interprétation. Et ça va fonder l'épistémologie finalement des sciences à la fois surtout de la matière, mais aussi, on verra, d'autres sciences comme celle du vivant. Donc, on attribue le positivisme à Auguste Comte, où le vrai savoir doit rompre avec les croyances et s'appuyer sur les faits, trouver le vrai dans le réel. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est d'abord une sorte de fin de la métaphysique, et c'est, pour pouvoir faire science, il va falloir, en fait, s'extraire et s'émanciper de toute forme de croyance, ce qui, en fait, voilà. Pour Max Weber, c'est en fait, on va désenchanter le monde en quelque sorte, et finalement,
la science devient le sens commun. C'est-à-dire que, en fait, ils s'établissent entre ceux qui pensent que, c'est-à-dire que, à travers leurs expériences, leurs traditions, leurs savoirs profanes, qui sont situés, ils sont considérés comme anecdotiques, voire, et vont pouvoir être relégués, voire, en fait, quasi disqualifiés et relégués dans l'insignifiance. Entre ceux qui pensent que et ceux qui savent que, donc, c'est-à-dire les scientifiques, il y a une prévalence des sciences du vivant et de la matière pour interpréter et comprendre le monde. Et cette compréhension, elle se présente aussi comme universelle. Pour Guattari, c'est donc, en fait, c'est la fin de ce qu'on appelle le socius, c'est-à-dire la capacité des collectifs à poser leurs propres questions, à ruminer au sens de penser et à produire leurs propres récits. Alors, ce qui fait que, en quelque sorte, ça va générer cette épistémologie de la science, non pas qu'il s'agisse de remettre en cause ce que produit la science, hein, ce n'est pas du tout là mon propos, mais plutôt elle va largement orienter cette épistémologie, les manières d'accompagner notamment la modernisation, et on pense en particulier aux acteurs de la RFD, donc, qui vont définir une forme de ratio, de ce qu'est l'action rationnelle. Et puis, bien évidemment, du côté économique, on a aussi les acteurs de la filière qui jouent un rôle important. C'est à partir de cela que finalement, nous, on a défini, avec le cadre de notre intervention, trois principaux défis. Est-ce que tu peux les afficher, s'il te plaît, Patrice? Voilà. Merci. Donc, en fait, comme le dit Patrice, sur la base de cette introduction, en fait, on a défini trois principaux défis par rapport à la transition agroécologique. C'est-à-dire, et on parle d'utopie à concrétiser au regard de ces trois défis. Donc, ces défis-là, ils questionnent finalement le système dans lequel nous nous situons majoritairement, je pense, aujourd'hui, et en tout cas nous, c'est-à-dire le système recherche, formation, développement, aussi appelé RFD. Le premier défi renvoie finalement à l'épistémologie des sciences. On fait un postulat assez fort qui est de dire, ben, finalement, aujourd'hui, l'agriculture, elle est essentiellement basée sur une pensée ingénierique et une pensée naturaliste. Et le système de recherche, formation et développement, il pense et agit majoritairement dans l'optique d'une plus grande maîtrise, d'une plus grande domination de la nature. Et nous faisons face à des réalités de scientifiques et des réalités d'autres acteurs qui ne sont pas prises en considération de manière équivalente, qu'ils soient agriculteurs, naturalistes ou citoyens. Donc l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'il conviendrait de les identifier, ces réalités, de les expliciter afin de prendre du recul sur les modes de pensée qui structurent des projections dans l'action et qui nous tiennent à distance de certaines composantes. Et notamment, ce qui nous intéresserait ici, c'est de savoir quelles sont finalement nos projections ou les projections qui nous tiennent plus ou moins à distance des composantes naturelles qui nous permettraient de renouveler le rapport à la nature. Le défi numéro 2, il renvoie aux postures et aux compétences en matière de conseil et d'accompagnement. On fait un postulat qui est de dire qu'il s'agisse de conseil ou d'accompagnement, les intervenants sont plus outillés en termes de connaissances, mais aussi en termes d'outils, qu'ils soient conceptuels, qu'ils soient de l'ordre du jeu, etc. Ils sont beaucoup plus outillés pour intervenir sur des composantes biologiques, des composantes techniques et des composantes écologiques des systèmes de production que sur les composantes humaines de l'agriculture. Et donc, l'hypothèse que l'on fait, c'est que l'agriculture est avant tout une activité humaine et qu'accompagner sa transformation agroécologique, c'est avant tout accompagner le développement professionnel des hommes et des femmes qui sont dotés de savoir-faire, mais qui sont aussi dotés de valeurs, qui sont dotés de normes professionnelles qu'il convient de questionner, débattre, afin de leur permettre de les dépasser. Le troisième défi, c'est enseigner au service de l'émancipation d'une pensée autonome, qui dépasse un petit peu le contexte agricole. Notre futur, il est tout incertain, et pour y faire face de manière agroécologique, nous aurons besoin de créativité face à l'inattendu et de solidarité. On aura également besoin de nouvelles formes de coopération, car les stratégies individuelles ne suffiront pas pour réussir à nous en sortir face à des changements qui sont beaucoup plus globaux. Donc l'hypothèse que l'on fait, c'est que l'enseignement et la profession agricole, à l'image de notre société, je le rappelle, ça ne concerne pas uniquement l'agriculture, doit travailler sur l'action et la pensée autonome. Donc, prendre acte de la nécessité de s'impliquer activement dans la création d'expériences, de connaissances, d'organisations qui permettent d'agir individuellement et collectivement pour un futur plus durable. Si je poursuis. Donc, en fait, on va essayer de parler de ces trois défis à travers des exemples. Donc, le premier exemple, il renvoie à la transition agroécologique telle que formalisée et vécue par des agriculteurs
qui sont passés d'un système dit conventionnel, de système d'élevage conventionnel et utilisant beaucoup d'intrants, à des systèmes plus économes et plus autonomes. Qu'est-ce que l'on essaye de dire à travers cette diapositive ? On parle souvent de changement de pratique, d'évolution de pratique lorsque les agriculteurs diminuent les intrants et vont vers des formes plus naturelles d'agriculture. En fait, ce que l'on essaie de dire à travers cette diapo, c'est que ce changement de pratique n'est pas uniquement un changement de façon de faire, mais c'est également, il y a en jeu des changements de façon de penser, des changements de façon de se positionner vis-à-vis de la profession qui les entoure. C'est ce qui est exprimé à travers les petits triangles que vous voyez dans les différents schémas. Ces triangles, en fait, ils représentent un travailleur au travail. Ce travailleur, au cœur du triangle, il y a l'objet de son travail, c'est-à-dire ce sur quoi il travaille. Et en fait, il y a une forme de cohérence dans ce qui se construit autour de ce sur quoi il travaille, entre ce qu'il fait en haut du triangle, ce en quoi il croit et qui a de l'importance pour lui et qui définit la façon de bien faire son travail, ce que j'appelle les normes professionnelles, en bas à gauche du triangle, et à droite, les valeurs, c'est-à-dire la façon dont il se définit et dont il définit sa contribution au monde. En fait, ce qu'il fait, ses normes, c'est-à-dire la façon de bien faire de l'agriculture et ses valeurs, ça a une forme de cohérence dans son travail. Et lorsqu'il y a une incohérence qui s'exprime entre ces différentes composantes, c'est-à-dire un inconfort dans son travail, il peut y avoir éventuellement une transformation de son monde professionnel. Quand on a étudié ça chez les agriculteurs, on s'est rendu compte que le monde professionnel, c'est quelque chose qui a été formalisé par Pascal Béguin. Le monde professionnel, c'est quelque chose de très stable et très cohérent. Donc, en fait, déstabiliser ce monde professionnel, créer un inconfort et réussir à dépasser cet inconfort par une transformation des façons de faire et des façons de penser, c'est très coûteux pour celles et ceux qui le font. Donc, je ne vais pas plus loin dans cet exemple-là, je continue. Ce qu'on essaye également de dire et qui renvoie à la diapo suivante, c'est que, en fait, la transition agroécologique, c'est une transition professionnelle pour les agriculteurs. Mais en fait, comment est-ce que cette transition professionnelle peut-elle être accompagnée, orchestrée, et comment est-ce que la recherche, le développement et la formation peut se mettre au service de cette transition professionnelle? C'est ce qu'on a essayé de travailler dans le projet CASDAR Transae, avec des acteurs de la formation en lycée agricole et en maison familiale rurale, avec des acteurs, des animateurs qui accompagnent des agriculteurs et des groupes d'agriculteurs au sein des CIVAM, et puis un certain nombre de chercheurs qui se questionnaient finalement sur quelle est la transformation en jeu et comment est-ce que les accompagnants et comment est-ce que également les enseignants peuvent accompagner cette transformation. En fait, il s'avère que dans ce projet-là, en fait, on s'est centré sur un outillage qui pour permettre aux différents acteurs de se centrer sur leurs élèves, mais de se centrer aussi sur les agriculteurs accompagnés en rentrant par le travail, c'est-à-dire ce qu'ils font concrètement au quotidien, la façon dont ils pensent ce qu'ils font, les références qu'ils mobilisent et surtout les normes professionnelles qui sont en vigueur chez eux, et puis le champ de valeur. Et en fait, on est parti sur l'idée aussi que l'accompagnement en fait, nécessitait une transformation du coup du métier d'accompagnateur, du métier d'enseignant et du métier de chercheur, dans la mesure où l'objet sur lequel on travaille, ce n'est plus le système technique, ce n'est pas une transformation du système technique qui est ici à l'œuvre, mais c'est accompagner des personnes afin de prendre la mesure des changements qui sont en train de s'opérer et de la façon dont ça les transforme eux-mêmes, que ce soit sur le plan de leur façon de faire, mais aussi leur façon de penser. Donc, une réflexivité à avoir pour pouvoir changer d'objet. Je laisse la main à Patrice, s'il me semble. Patrice, il faut que tu remettes ton son. Il faut que tu réactives ton micro, Patrice. Il faut que tu remettes ton son, Patrice. Voilà. Patrice, s'il te plaît, ton son. Attends, je vais te le remettre. Hop. Tu dois avoir dans ta bannière Zoom un endroit où tu as le micro, où tu recliques dessus.
Excusez-moi, en fait, j'avais un problème de souris et je cliquais à chaque fois. Oui, donc après la présentation de Xavier, moi, je vais vous parler un petit peu d'un travail qu'on a fait dans le cadre d'un projet ici CAP25. Et en montrant un petit peu le type d'enquête qu'on a établi auprès de directeurs d'exploitation des fermes de lycées agricoles, en fait, était basé sur un tournant ontologique et pragmatique de ces enquêtes. Alors, pourquoi ce tournant-là? Tout simplement parce qu'on a affaire à une incertitude, bien sûr, de l'horizon écologique et des chemins pour y parvenir, mais aussi une incertitude qui est liée en fait à non pas une incomplétude de la connaissance, mais plutôt en fait une profusion de cette connaissance et une expertise qui va densifier notre cosmologie. C'est-à-dire que finalement, on en sait beaucoup plus aujourd'hui. La science produit multiplie les connaissances et les fonds de recherche, mais finalement, on en sait plus, mais on comprend moins, ça devient beaucoup plus compliqué. De l'autre côté, il y a aussi des expériences, et notamment des modèles agricoles qui se revendiquent de l'agroécologie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'entre l'agriculture de conservation jusqu'à l'agriculture, on va dire biodynamique, en passant par l'agriculture durable ou l'agriculture biologique, bien évidemment, la question du rapport au vivant dans un système de production n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut aussi s'interroger si, dans quelle mesure, paradoxalement, certains principes qui sont responsables des crises pourraient aussi permettre de nous en sortir, ce qui paraît assez. Voilà. Toujours est-il qu'entre l'expertise scientifique et la pratique, ce dont il faut quand même se mettre d'accord, sur quoi il faut se mettre d'accord, c'est que on a parlé de la position épistémologique et un petit peu surplombante de la science. Il faut admettre qu'il existe quand même différents modes d'instauration de la réalité, de production de la connaissance. Et en fait, c'est pas que il s'agit pas ici d'une sorte de relativisme généralisé, mais bien de considérer que la connaissance et la réalité, elle est relative. En fait, aux situations de celles et ceux qui la produisent. Et qu'aujourd'hui, face à ces incertitudes, il est urgent d'établir le dialogue ou de rétablir le dialogue entre ces différentes façons d'instaurer la réalité. Alors, ce dialogue, alors on le voit déjà apparaître dans les sciences collaboratives et ou participatives, hein, bien sûr, mais le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, on ne s'y maîtrise pas les différentes formes d'instauration. Alors, pour la faire un petit peu caricaturale, bien sûr, mais entre des chercheurs qui, depuis 15 ans, travaillent l'objet et des agriculteurs ou des directeurs d'exploitation à qui on va demander pendant 15 minutes de donner leur point de vue sur un post-it, on conviendra qu'il y a il y a quand même un certain déséquilibre. D'où en fait l'importance d'aller enquêter sur la manière dont en fait les acteurs eux-mêmes construisent et composent leur monde. Donc, et il faut surtout rendre compte de la diversité. Ça veut dire en fait les prendre au sérieux. C'est ce qu'on appelle le tournant pragmatique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser, de regarder le monde à travers leurs propres vues, en prenant tout au sérieux, sans poser de jugement et ni définir des critères qui valent ou qui valent pas. Voilà. Pour les sciences humaines, il y a un enjeu assez considérable et qui correspond à ce qu'on appelle le tournant ontologique. Il faut aussi considérer que les choses ont une agentivité sociale et qu'il nous faut accueillir les savoirs des sciences du vivant. C'est-à-dire que pour les sciences humaines, il ne s'agit pas simplement d'analyser le fait social, mais de considérer que les entités, en fait, ont bien des modes d'existence dans le champ social. J'insisterai pas, mais la COVID nous dit bien quelque chose. La manière dont elle est en train d'affronter le monde, on ne peut pas réduire ça simplement à ses propres propriétés biologiques et écologiques. Et donc, pour rendre compte, ça veut dire qu'on va considérer qu'on va avoir un collectif socio-écologique. Hein. Donc là, j'ai représenté ouais, des humains, puis d'autres entités que je ne qualifie pas ici. Et on va toujours s'interroger pour que font les êtres humains et non humains ensemble. Et donc, on va regarder quelles sont les entités qui vont composer. Et selon les expériences des uns et des autres, on va voir que ça peut être très différent. Quels sont les genres de relations qui les unissent et aussi quel type d'attributs et de propriétés finalement, on confère à ces entités. Les individus ne regardent pas de la même manière des vaches, de l'herbe, etc., etc. Et donc, on a fait tout ça auprès, donc, chez le directeur d'exploitation, je disais tout à l'heure, dans le cadre d'un programme ICIT CAP 2025, de 20 à 40 enquêtes sur chacun des sites. Et en particulier, on a travaillé avec des artistes design de l'action publique pour faire des restitutions publiques. Ce recours au design de l'action publique, ce n'est pas simplement pour artialiser des résultats de recherche, mais c'est bien en fait pour concevoir un dispositif qui permette une certaine mise en travail.
Alors, les résultats, ça, je vais le faire très très rapidement. Donc, on voit des mondes se composer, hein, et je reprendrai un peu en quelque sorte ce que dit Bruno Latour, c'est qu'aujourd'hui, enfin, dans un monde d'incertitude, il convient d'accompagner les humains en errance entre écologie et économie. Ça nous a aussi un peu guidés pour définir la manière dont on a essayé de penser le monde. En fait, chaque monde, on les a mis, donc il y a le rapport à l'existence, il y a le rapport au non-humain, il y a le rapport à l'économie. Donc, comment est-ce qu'ils naviguent là-dedans? Alors, on a distingué trois types de mondes qu'on a désignés ABC, hein, sans, voilà. Et un premier monde, le monde A, qui ressemble assez en fait à celui issu de la modernité, où finalement le rapport à l'existence est largement inféodé, hein, au rapport à l'économie basé sur des marchés qui sont basés sur l'offre et la demande et sur lesquels la plupart du temps les agriculteurs n'ont pas la main, et qui va en fait orienter le rapport entre, et le travail entre les hommes et les entités de nature dans un rapport de productivité. Où la viande, où on va regarder la viande, on a toute une métrique autour de la mesure de cette quantité de viande ou de quantité de lait, hein, j'aurais pu mettre, et qui va aussi dépendre de la façon de calculer la ration alimentaire. Hein, un technicien me disait, ben ça c'est des maths, hein, c'est assez simple. Et où finalement les entités humaines, les entités non humaines, finalement se trouvent par rapport au marché dans un rapport d'utilité. Second monde, on est basé sur quelque chose qui est complètement différent. On est sur un rapport. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a pas, que le rapport entre le marché et le mode d'existence ne s'appuie pas sur l'offre et la demande, mais c'est sûr, il y a bien si surajouté l'idée de la promesse et de la confiance, c'est-à-dire que par exemple sur un produit, un fromage, on va lui chercher sa singularité, c'est-à-dire qu'est-ce qui le singularise dans le marché et finalement ça fait pour le singulariser il y a tout un travail, c'est pas simplement il va falloir construire un récit et ce récit bah il va se faire par tout un travail par exemple de dégustation d'appréciation collective autour d'un produit et en fait des ajustements des ajustements notamment dans la manière de conduire les prairies. Et en fait, on va relier le goût du fromage, on va relier le goût du fromage à la phénologie de la prairie, par exemple, voire jusque à la présence ou pas des bactéries, etc. Et donc, on a un monde qui se complexifie et qui est densément peuplé et densément relié. Et ce qui fait que là, par exemple, dans un exemple précis, alors j'ai mis la singularité va se baser non pas sur la désignation de l'agriculture biologique du produit, mais sur le fait que, en fait, les animaux ne mangent que de l'herbe, il n'y a plus de concentré. Et ça va être la promesse et il va falloir que le marché ait une confiance. Dans le dernier monde, là, on a un monde qui est un petit peu, qui est aussi densément peuplé, mais où on n'est plus simplement sur ce qui relie les êtres serait simplement des rapports de matérialité, hein, le paradigme de la matérialité. Mais plutôt, on a aussi, bien sûr, ajouté un paradigme qui est celui des informations. Alors ça, c'est tout à fait original, c'est-à-dire que les entités non humaines, en fait, sont dotées d'un soi, c'est-à-dire que à partir de, ils ont leur propre biographie. Tous les êtres sont en communication et les humains sont en communication aussi avec les non-humains. Ils sont dotés d'un soi. À partir du moment où ils sont. Alors, ce soi, bien sûr, ce n'est pas le soi humain, soyons bien clairs. Et à partir du moment où ce soi, ces animaux ont un soi, en fait, finalement, ils deviennent aussi, avec eux, on établit un marché. C'est-à-dire que là, le marché, donc dans un contrat de domestication, qui est basé sur la question du soin. Donc voilà, on a, alors ça c'est très 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 rapidement dit, c'est très rapidement posé, mais ce que l'on voit c'est qu'un individu, de toute façon, ça ce sont des mondes qui sont idéaltypisés, mais un individu souvent il va composer avec ces différents mondes qui sont plus ou moins compatibles et il peut y avoir des incompatibilités comme il peut y avoir des compatibilités. Et la superposition de ces mondes tienne ou ne tienne pas. Voilà. Et donc ces différentes façons de composer le monde, ces différentes façons aussi de puiser, soit dans l'expérience, soit dans la science, eh ben, c'est ce qu'on va retrouver en particulier dans l'expérience que va nous relater maintenant Audrey. Voilà. Oui, moi je vous propose d'illustrer ces trois défis donc à travers la diapo suivante à partir d'un exemple. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Patrice, s'il te plaît? Ça y est, j'ai passé, Ah, j'ai pardon, passé autant les pour moi. diapos. Et donc, c'est un exemple qui a été enfin, fait avec des étudiants donc, qui sont en cursus ingénieur en agronomie en troisième année, donc ici sur Vétagrosup. Donc, ce sont des étudiants qui se destinent essentiellement au développement, à la recherche ou à la formation.
Et donc, on leur a proposé de travailler sur les systèmes agroécologiques et d'aller caractériser la santé des troupeaux de ces systèmes laitiers qui se revendiquent en agroécologie. Alors, comment ils ont procédé? Pour ce faire, ils ont travaillé sur 18 fermes qu'on suit par ailleurs dans un cadre de recherche, qui sont des fermes soit en bovin lait, soit en ovin lait, soit en caprin lait. Et sur ces fermes, eh bien, ils sont allés faire des enquêtes totalement, on va dire, académiques, c'est-à-dire classiques, comme on a l'habitude de faire en zootechnie, avec une partie sur des mesures de santé des animaux, une partie avec une enquête zootechnique avec des questions très classiques qu'on pose sur le fonctionnement des systèmes, la conduite de ces systèmes. Et puis, à partir de cet entretien, eh bien, ils ont traité les données. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, donc, ils ont fait des choses qu'on leur apprend très couramment à faire, c'est-à-dire d'analyser les systèmes avec des indicateurs, c'est-à-dire des repères classiques pour caractériser les systèmes. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Ils y arrivent très bien donc à trouver les min-max et ils arrivent même ensuite à les… Enfin, on les incite même à les reposer par rapport à un cadre, c'est-à-dire un repère qui peut être un groupe ou un repère local. Cependant, donc, animation suivante, il y a commencé à avoir quelques soucis. Donc là, pour illustrer ça, je vous propose de prendre l'indicateur de la production laitière. Donc, ils ont demandé ce qu'il en était de la production laitière dans les différents systèmes d'élevage, et puis ils l'ont comparé à des références. Et là, ils se sont rendus compte que finalement, la production laitière, si on regarde avec le regard comme on les incite à faire, que, elle est plus faible que cette référence. Elle est plus faible, certes, mais quand on leur a demandé de confronter avec ce que les agriculteurs leur avaient dit, c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait des chiffres qu'ils ont dit eux-mêmes faussés, c'est-à-dire des repères qui étaient remis en cause, au sens où tout simplement, ben, ces agriculteurs laissent tous les veaux, les chevreaux ou les agneaux sous la mer pendant 2 à 4 mois. Ce qui fait que du coup, ben, peut-être que la référence et les productions sont au moins égales à la référence, si ce n'est plus, simplement, cet indicateur dans ces systèmes ne vaut plus. Donc ça, ça a été la première interrogation. Et ensuite, quand ils ont travaillé sur les cahiers sanitaires dans les élevages, là, ça a été encore plus compliqué parce qu'en fait, ils ont totalement perdu leur repère. Il n'y a plus moyen de mettre des repères de référence, de pourcentage de mortalité parce que quand ils combinaient ça au discours des agriculteurs, il n'y avait plus de cohérence. Ils ont vu également que c'était des systèmes où finalement, les médecines alternatives étaient extrêmement utilisées et ils n'étaient pas forcément prêts à aller chercher des indicateurs supplémentaires que ceux pour lesquels ils ont été formés pour avoir plus d'informations. Et puis, dernier point, tout simplement, c'est que dans ces cahiers sanitaires, eh bien, il y a un certain nombre de pathologies que l'agriculteur peut soigner lui-même par de l'homéopathie, par de la phytothérapie ou autre, qui ne sont pas mentionnées. Et ça ne veut pas dire que les animaux ne sont pas malades. Ce qui fait que du coup, les étudiants se sont trouvés totalement dépourvus pour analyser ces systèmes, plus de repères, besoin d'ajouter d'autres repères. Donc là, il y a vraiment eu un inconfort de leur part. Et on va y revenir là dans ce qu'il faut retenir, on les avait fortement incités et prévenus dès le début en leur disant, puisque nous, on savait qu'on les emmenait dans des systèmes un peu atypiques, de penser à questionner l'agriculteur sur le pourquoi il fonctionnait de telle manière dans sa conduite de son système ou pourquoi il faisait ces choses-là. Et en fait, on les a mis face à ces réponses qu'ils ont eues, on les a mis en face avec les données. Et ça les a aidés à interpréter ces résultats. Ce qu'il faut donc retenir de cet exemple, c'est que finalement, pour les apprenants, pour les étudiants, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Je vais citer juste une citation d'une étudiante quand on a fait un bilan qui a dit « finalement, moi, j'ai eu vraiment du mal à devenir rationnel en 3 ans ». Et là, finalement, le cadre qu'on m'a appris, il ne sert absolument à rien. Je ne peux pas accéder à la réalité de l'agriculteur. C'est complètement différent de ce qu'il m'a dit. Donc, là, se pose la question de comment faire, comment les accompagner pour ça. Et pour nous, enseignants, c'est également compliqué parce que finalement, on ne sait pas comment préparer les étudiants. Donc, nous, on avait pris nos devants et c'est un choix qu'on a fait de les prévenir que les systèmes allaient être différents et de les inciter à poser d'autres questions pour les mettre devant le fait accompli. Mais il y a un certain nombre de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la pédagogie pour former, prévenir, aider les apprenants, les futurs acteurs du terrain à accéder à ces 3 défis qu'on a mis en place. Pour conclure, donc en fait, à ces 3 défis, donc le défi de l'épistémologie des sciences, le défi des postures et des compétences en matière de conseil et d'accompagnement,
et également le défi sur l'enseignement au service de l'émancipation d'une pensée autonome. Il nous semble en fait que nous avons besoin d'expliciter nos cadres de pensée et de faire en sorte de faire expliciter les cadres de pensée et d'action des agriculteurs notamment avec lesquels nous travaillons pour pouvoir nous en émanciper et puis les nôtres également pour pouvoir nous en émanciper. En fait, aujourd'hui, il nous semble que l'ingénierie de projet et la pensée rationnelle sont ultra dominants dans nos milieux de recherche, de formation et de développement en agriculture. Donc, l'ingénierie de projet, c'est la conduite essentiellement à partir d'objectifs. On définit les objectifs et à partir de là, on définit les moyens d'y parvenir, qui ramène à une forme de rationalité toujours technique ou technico-économique et qui nous enferme finalement dans un cheminement et dans une façon de penser l'action. Et comme il devient central, il est très difficile de s'en extirper. Quid de la pensée situationnelle ? Donc, comment est-ce qu'on travaille cette capacité à observer, à sentir l'environnement qui entoure le travail pour en faire un véritable milieu de travail? C'est-à-dire, comment est-ce que l'on donne à un moment donné, comme l'a montré Patrice, comme on a pu le travailler également dans le cadre des mondes professionnels, comment est-ce qu'on arrive à montrer finalement et à donner du sens et à en faire un objet pédagogique et un objet de développement de toute la partie sensible et sensitive de l'agriculture, du travail en agriculture, et qui est assez centrale en termes d'attirance pour le travail, mais aussi centrale pour être capable de faire face aux aléas et surtout aux changements globaux qui vont être très impactants dans les années à venir et qui le sont déjà pour l'agriculture. Quid de la pensée créative? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour s'extraire des situations, pour suivre une sensation, une intuition et se rassurer dans ce changement? En fait, ce sont des challenges qui sont assez conséquents pour nous en tant que chercheurs, pour les formateurs, pour le développement, parce que ça renvoie à des modalités de formation qui obligent à sortir finalement de l'objet technique tel qu'on le travaille jusqu'alors et qui méritent du coup qu'on se centre sur d'autres façons d'envisager notre rapport au milieu, notre rapport aux choses, notre rapport à la créativité. L'importance d'ouvrir le champ des pensées dans la recherche, la formation et le développement afin de renouer avec le vivant qui nous entoure. Et là, l'idée en fait, que l'on a essayé de poursuivre au cours de cette présentation, c'est que finalement, en explicitant les mondes, c'est-à-dire les façons de penser et d'agir d'autrui, eh bien, ça participe à cette prise de conscience et à cette prise de connaissance que tout le monde ne pense pas de la même façon en fait, il y a différentes rationalités à l'œuvre et qu'elles peuvent avoir du sens et y accéder. Et se donner le temps d'y accéder en la décortiquant, c'est aussi une façon de pouvoir éventuellement se l'approprier ou en faire un enjeu pour réfléchir et se projeter par la suite. Donc, l'incertitude de l'Anthropocène place cette ouverture comme une urgence et une nécessité. On vous remercie. Merci, merci beaucoup à vous trois et merci pour ce sujet et ces interventions assez décapantes, hein, on peut le dire, par rapport aux autres agro-webinaires qui sont souvent plus techniques. Et donc, il y a quelques questions qui sont arrivées et j'en ai plusieurs moi aussi. Donc, on va démarrer. Donc, d'abord, une toute petite question tout à fait de compréhension technique, Luc, qui pose mieux. Est-ce qu'on peut définir reboutage? Parce qu'effectivement, c'est un terme qui a été utilisé dans l'intervention d'Audrey. Oui, le reboutage, en fait, c'est ce que les agriculteurs utilisent pour comme mode de soin, on va dire équivalent à l'ostéopathie, mais qui n'est pas réalisé par un ostéopathe, mais par les agriculteurs eux-mêmes. Ils se forment, hein, mais ce n'est pas de l'ostéopathie en tant que telle. Oui, à mon époque, quand j'étais fils éleveur, on allait voir le rebouteux, effectivement, pour les animaux, mais aussi pour les humains, d'ailleurs. Il n'y avait pas de différence entre les humains et les animaux. Alors, une question là qui va créer tout de suite un peu pas la polémique, mais l'interrogation que pose votre intervention d'Armel, qui dit quand même l'action des agris n'est pas que guidée par des valeurs et des représentations, mais aussi par une nécessité de gagner leur vie, voire de survivre, non? Est-ce que, in fine, ce n'est pas au filtre de cet impératif qu'ils repassent et font évoluer leurs connaissances et valeurs?
Non, mais je me permets de répondre. Ben, tout à fait. Mais c'est aussi bien pour ça que, par exemple, dans la représentation des mondes, il ne s'agit pas d'hiérarchiser. Le problème, c'est de dire, finalement, il y aurait ça qui prévaudrait, puis ensuite, il y aurait ça, comme une cascade de rapports de causalité. Bien évidemment, on ne connaît aucun éleveur qui va dire qu'il n'a pas envie de vivre, ou un agriculteur qui n'a pas envie de vivre de son activité. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas se réduire à ça. Alors, il faut surtout pas l'ignorer, mais on voit bien comment aussi la question du rapport au vivant, à l'existence et à l'économie, au marché, en fait, sont intimement liées et en fait, architecture en quelque sorte le monde. Et c'est un peu l'ambition que nous, on a dans ce travail, c'est bien de mettre à jour ces formes de recomposition et de composition ou décomposition parfois, parce qu'attention, hein, qui permet de faire tenir à la fois en fait, l'existence. Alors l'existence, c'est à la fois le revenu, mais aussi le plaisir. Et puis, et bien sûr, le marché, c'est aussi le revenu, etc. etc. Mais il y a aussi, c'est pas disjoint de la question du rapport au vivant et à la ressource. Et notamment à la manière de penser, comment dirais-je, ça, en fait, il y a des rapports, ça peut être des rapports de frugalité, parce que je vais chercher, en fait, à assurer la pérennité, par exemple, de ma ressource, mais parce que mon existence et mon revenu va dépendre de cela. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Il y a des choses qu'on met dans le marché, dans l'économie, qui relèvent même directement de la façon dont on établit un rapport au vivant. Voilà. Autre intervention, vous aviez peut-être sur ces questions voilà, de l'évolution des valeurs et des représentations. Est-ce que ça se fait seulement en lien avec l'économique ou c'est disjoint? Non, alors en fait, je trouve que ce qui est intéressant en fait, c'est que finalement, aujourd'hui, les référentiels le montrent, c'est-à-dire sans même parler de situations exceptionnelles qui consisteraient des success stories et qu'on mettrait en avant. Et si on regarde les référentiels technico-économiques qui peuvent exister aujourd'hui, que ce soit du côté de Inosis ou que ce soit du côté des CIVAM, on se rend bien compte en fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre des systèmes qui utilisent peu d'intrants et du coup des rapports assez renouvelés aux composantes de la nature et des bons revenus. On peut même dire qu'en moyenne, les revenus sont plus stables et sont donc plus stables et meilleurs par UTH dans les systèmes faibles intrants aujourd'hui, et sans même changer son mode de commercialisation. Et quand le mode de commercialisation évolue, par exemple en passant sur une certification, les revenus augmentent encore. Donc là-dessus, évidemment que non, en fait, on n'est pas en train de. Est-ce qu'on est en train de parler d'une adaptation à revenu équivalent ou pas? Là, en fait, j'ai juste envie d'apporter un tout petit éclairage sur les transformations des mondes professionnels. C'est-à-dire quand on quitte une forme d'agriculture qui était définie par des façons de faire, mais aussi par des façons de penser la belle agriculture. Je pense par exemple à un attachement des fois à avoir des vaches très productives, un attachement à avoir des parcelles productives, etc., quitte à utiliser les intrants qui vont avec. Et puis quand on va vers des situations agricoles plus économes, eh bien, en fait, il y a une recomposition de ces normes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de recomposition de ces normes, ça va être très compliqué pour l'agriculteur. Aller vers un système économe tout en essayant d'aller chercher de la forte productivité, ça va amener des gens en situation ou en sentiment d'échec, en fait. Mais s'il y a recomposition, en fait, évidemment, en fait, que pendant le temps de la transition, il y a besoin de se réconforter autour de la question économique, en effet. Et justement, ces référentiels, comme le référentiel qui existe dans les CIVAM, mais aussi les référentiels Inosis, sont des bases pour pouvoir se réconforter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et maintenant, il y a 30 ans de recul là-dessus, on sait que des systèmes plus économes, plus respectueux, voire même qui permettent de recomposer son rapport à la nature, ne sont pas moins rentables, en fait. Merci. Audrey, tu veux ajouter quelque chose ou je passe à la question suivante? Non, moi je confirme juste que sur les fermes qu'on suit, nous, là, sur les 20 fermes, il n'y a aucune incompatibilité entre cette façon de se relier au non-humain et l'aspect économique. Hein. Sur des revenus même, effectivement, qui parfois sont fin, presque équivalent des très bons revenus et très stable, je confirme. Merci beaucoup. Alors, juste pendant que je prends d'autres questions, là, il y a Olivier qui trouve que le sujet est très intéressant et il demande si vous avez des références biblio ou autres. Donc, si vous en avez, si vous pouvez les mettre dans le chat
pendant que je pose d'autres questions. Une question d'Eric qui dit « Selon vous, que gagnent les humains qui entrent dans le modèle C ? Rapport entre humains, non-humains et économie. Que gagnent entre guillemets, évidemment, puisque ce n'est pas que de l'économie ?» Qui veut répondre ? Que gagne je ne sais pas, Audrey ou… c'est un que monde gagne, qui est très particulier. Audrey. Vas-y, Patrice. Vas-y, Audrey. Je vais rester avec mon approche zootechnique, hein, parce que donc, je collabore avec les collègues des sciences humaines et sociales, mais je ne suis que zootechnicienne. Et donc, quand on me dit que gagne, je pense qu'ils y gagnent matériellement, économiquement, il y a un intérêt. Ils y gagnent aussi sur la manière dont ils vivent leur quotidien, qui est beaucoup moins stressant. Il y avait aussi une question sur la transformation. Ce n'est pas une transformation, elle peut être directe. Grosse crise, enfin, moi j'ai le cas d'un agriculteur, crise du lait, j'arrête ou je passe en bio et je fais tout autrement. Bah, lui il a dit je passe du tout au tout, quoi. Il est passé du vache à 10 000, hyper productiviste, à la vache à 6 000 uniquement à l'herbe, 400 kilos de concentré par an. Enfin, voilà, ces changements ils sont là, il y a gagné en bien-être. Enfin, on se rend compte que humainement, c'est des gens qui sont tellement bien dans leur peau. Qui travaillent totalement autrement avec la nature, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent bien mieux aux changements et aux aléas. Bien sûr, quand le système le permet, mais ils se donnent plus de flexibilité dans leur système. Donc, je pense que c'est un gain sur tous les points. Et en plus, je pense qu'il y a une autre dimension tout à fait essentielle. Tout à l'heure, j'évoquais la question finalement de la nécessité, c'est ce que dit Isabelle Stengers, de la réactivation du sens commun. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chercheurs, on a eu du mal à rentrer en contact avec certains collectifs d'éleveurs, tout simplement parce que ces collectifs, ils se sont réinstaurés en collectifs qui produisent justement leur sens commun. Ils produisent leurs propres questions, ils produisent leurs propres récits. Et à travers les expériences, ils mènent véritablement des expériences qui relèvent, qui n'ont pas à rougir dans leur protocole de ce qui se fait par ailleurs dans la recherche. Mais eux, leur monde, il est peuplé d'entités extrêmement étranges. Et il est peuplé de choses auxquelles, nous, on n'est pas forcé d'y croire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour comprendre ce qu'ils font, on est obligé de les prendre au sérieux. Et donc, ce qu'ils gagnent, à mon avis aussi, c'est qu'ils se sont autonomisés du système et ils sont capables de construire leur propre récit sur ce modèle C. Et ça, c'est absolument pas négligeable. Au-delà du fait que, pour certains d'entre eux, ils gagnent bien mieux leur vie qu'avant. Hein. Merci. Armel qui repose une question. Existe-t-il des cadres de référence pour outiller cette pensée situationnelle ? Alors, ça renvoie toujours à la biblio. Qui est-ce qui peut donner une référence biblio là, sur vos productions ou c'est encore un peu tôt ? Patrice, j'ai mis là dans le chat la publi de Caréol 2018, en fait, où on D'accord. a commencé, je pense que Patrice y répondra mieux aussi, hein, Xavier, il faut que tu mettes les tiennes aussi, mais où on commence à essayer d'expliciter ces différents mondes, en fait, qu'il a appelé ABC, mais on les explicite un peu autrement, et c'est qu'un début. La pensée situationnelle, en fait, dans le champ de l'agriculture, elle a quand même été déjà beaucoup travaillée depuis maintenant plus de 25 ans, avec tous les travaux de thèse de Nathalie Girard et les travaux de Bernard Hubert. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont ensuite été développés sur tout ce qui est appelé la résilience, sur tout ce qui est appelé la flexibilité, etc. En fait, la difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à se saisir, de ne pas rester forcément dans une pensée rationnelle. La pensée rationnelle a sa place, mais en fait, cette pensée rationnelle peut aussi être une barrière. Moi, ce qu'on essaye de dire, c'est pensée rationnelle, pensée situationnelle, pensée créative. Pensée créative, l'auteur de référence, c'est Hans Joas. C'est, en fait, je pense que si on veut pouvoir s'en saisir, ce n'est pas qu'une affaire d'agriculteur, hein, c'est une affaire de recherche, de formation et de développement pour voir comment est-ce qu'on peut amener les gens justement à identifier le cadre de pensée des uns et des autres. Mm-hmm. Je me permets juste, pendant que j'ai la parole, de répondre à la question d'Armel sur l'impression que les agriculteurs répondent à des architectures dans lesquelles ils ne bougent plus ensuite, alors que pourtant il y a une évolution. Oui, mais... Je dis, attention, quand je parle de monde professionnel, c'est-à-dire de cohérence entre ce sur quoi on travaille, ce que l'on fait, les normes professionnelles
auxquels on adhère, et donc les groupes socio-professionnels avec lesquels on échange et les valeurs. Je ne parle pas que des agriculteurs, je parle des travailleurs de manière générale, y compris nous. Et en fait, c'est très, très coûteux de sortir de ce monde professionnel. C'est-à-dire que les évolutions que l'on peut voir, ce sont des évolutions de façon de faire. Mais il y a des moments où ces évolutions de façon de faire, elles rentrent en tension avec d'autres composantes qui ont du sens pour nous. C'est-à-dire, par exemple, la façon de bien faire son travail. Très fréquemment, en fait, on est en tension entre ce que l'on fait et puis ce qu'on voudrait bien faire. Mais il y a des moments où ça devient insupportable. Et là, en fait, il faut pouvoir dépasser ça. C'est aussi une des cet inconfort-là qui apparaît. C'est aussi ce qui amène, par exemple, aujourd'hui, à un grand taux d'agriculteurs en difficulté. C'est-à-dire, c'est la difficulté de réussir à mettre en cohérence ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils sont tout à fait, et ce qu'ils sont capables de faire et les performances auxquelles ils arrivent. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la transformation qu'implique la transition agroécologique, si on veut qu'elle soit efficace et durable, c'est vraiment une transition qui amène à pas changer uniquement ses façons de faire, mais aussi ses façons de penser. Sinon, en fait, on va au-devant de problèmes assez forts, de problèmes identitaires pour les gens et de difficultés, notamment parce que, par exemple, ils auront l'impression de faire des efforts, alors que typiquement, lorsque la transition agroécologique a eu lieu, la question de l'effort vis-à-vis de l'environnement, elle n'est plus posée, puisque en fait, le champ des normes et le champ et la façon de considérer tout l'aspect, comment dire, faire attention à l'environnement, il est complètement intégré dans sa façon de travailler. Elle parlait aussi de quelles sont les driving forces. Et moi, je voulais justement vous poser cette question un peu complémentaire. Le fait que, par rapport au coût que représente effectivement le changement de monde, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu, effectivement, on voit bien qu'on a toujours cette séparation entre agriculture conventionnelle et agriculture alternative, et que du coup, on a le sentiment que même un agriculteur qui est dans des évolutions de valeurs, par exemple, qui s'est mis à être dans les fermes défis, qui a diminué son IFT de manière conséquente, qui est vraiment dans une approche, on peut dire, du monde C, par exemple, il veut rester dans une approche agriculture conventionnelle, alors que, quelque part, il est déjà dans une forme d'alternative. Et on a encore ces deux mondes séparés. Et est-ce que ce n'est pas ça qui serait une des forces si on arrivait à ne plus avoir cette différence entre agriculture conventionnelle et agriculture alternative? Alors, moi, je veux bien commencer à réagir par rapport à ça parce que moi, personnellement, je n'y crois pas un instant. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a montré, par exemple, entre le monde A qui réfère en fait à un modèle plutôt conventionnel et puis à un monde B ou un monde C, toutes les tentatives qu'on a observées, notamment, alors bon, moi, ça fait 15 ans qu'on fait des enquêtes, on a notamment, on en a fait pas mal avec Audrey. Toute tentative de superposition des mondes est souvent assez intenable. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas, parce que la vache, on ne peut pas lui proposer un mode d'existence et deux modes d'existence. Entre le moment où elle se fait traire et soigner et le moment où on lui donne de l'herbe à manger et où on va la faire pâturer, il y a des choses qui sont assez incohérentes et en fait, c'est l'ensemble du système qui est fragile. Autre chose, c'est que tu parlais des IFT, mais je pense que la question, c'est que on peut réduire les IFT, mais on se confronte finalement aux propriétés du vivant, aux aléas de l'environnement, et que toute tentative on ne contrôle jamais rien. Je veux dire, les crises écologiques, elles nous montrent bien quelles sont les conséquences de nos actes. Je pense qu'il faut penser la transition dans une perspective complètement conséquentialiste. Et le problème, c'est que faire avec le vivant, avec une certaine perception du soin, ça demande véritablement un autre type de paradigme parce que pour un agriculteur, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe, mais c'est ce que nous on a écrit aussi dans l'article qu'a mis Audrey en ligne, c'est que comment est-ce qu'on peut prétendre qu'un certain nombre de principes, notamment du contrôle des processus biologiques, qui en fait a une grande part de responsabilité dans les crises, pourrait nous permettre de s'extraire de ce dont il est responsable.
paradoxalement, ça va falloir qu'on nous explique. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que quand on a fait des enquêtes aussi sur les questions du glyphosate, si vous regardez bien la molécule de glyphosate, dans quoi elle est prise, ou sur les néonicotinoïdes, on s'aperçoit que c'est pris dans des types de parcelles, dans des types de machines, dans des types de marchés, et que pour s'extraire, souvent, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas retirer quelque chose, hein. Il faut aussi renoncer. Par exemple, le monde B, il y a des renoncements. On peut pas, on peut avoir d'autres choses, il y a des formes de renoncement. Alors, cette transformation-là, à mon avis, pour moi, elle est extrêmement complexe, quoi. Elle est extrêmement complexe. Je ne dis pas que tout du monde A doit être jeté, hein, attention, hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a beaucoup de choses et des principes qui doivent être réactualisés au regard d'un nouveau type de rapport au vivant et qui va supposer des renoncements. Voilà. C'est-à-dire que les régulations économiques doivent intégrer le besoin des régulations biologiques. Je te suis complètement, Philippe. Hein. C'est que je pense qu'il y a aussi la régulation économique, il faut que les agriculteurs retrouvent la main sur le prix. Il faut que, alors, et ce n'est pas forcément du local, hein, ça peut être l'exemple, par exemple, je donnais du monde B. Il faut savoir cette exploitation-là sur une ferme avec des salariés qui sont de droit privé sur une ferme de lycée agricole, mais il y a 8 salariés ETP avec 80 vaches et 110 hectares. 8 ETP. Et ils leur donnent des primes à la fin. Hein. Et les vaches, elles font 4 500 litres. OK? Zéro concentré. Renoncement à des marchés, renoncement à des machines, renoncement à tout un tas de choses. Une exploitation, en fait, qui est même dans les circonstances la manière de penser le rapport au vivant fait que ils subissent beaucoup moins, d'ailleurs, le changement climatique. OK, Xavier? Oui, en fait, simplement, moi, sur quelles sont les driving forces. En fait, ce qu'on a pu voir chez les gens qui ont fait ce changement, en fait, ce changement coûteux, on peut voir que ce qui les a amenés à déclencher progressivement ce changement, c'est lorsque la distance entre ce qu'ils faisaient et ce qu'ils pensaient être une bonne agriculture est devenue insupportable pour eux, c'est-à-dire une incohérence qu'il fallait réussir à dépasser. Il y a aussi eu des fois des situations de difficultés, des difficultés qui étaient insolubles et qu'il fallait réussir à chercher des solutions dans un autre champ. Et puis, il y a une troisième raison qui amène au changement, c'est la découverte d'un nouveau champ des possibles. Et c'est pour ça, en fait, par exemple, que je trouve que, par exemple, la réforme de l'enseignement agricole avec la mise en place dans le référentiel de la découverte de différentes formes d'agriculture est assez intéressante. Encore faut-il voir comment est découvert ce champ des possibles. Mais la découverte d'un nouveau champ des possibles, des fois, ça peut être des petits riens et qui amènent à repenser complètement la façon dont on peut travailler, produire. Des agriculteurs, par exemple, ils n'avaient jamais été interpellés sur l'idée qu'ils n'étaient pas obligés de faire l'ensemble de leur quota laitier à l'époque ou l'ensemble de leur contrat laitier aujourd'hui, alors que finalement, en se questionnant, en s'autorisant à se questionner sur la réalisation ou pas, eh bien, ça a diminué la pression à la productivité et ça leur a permis d'ouvrir le champ des possibles pour penser d'autres façons de faire. Ensuite, une fois que ça s'est lancé, finalement, le processus, on se rend compte qu'il est autonome et social. Autonome au sens où, finalement, il y a des difficultés qui apparaissent parce que quand on change, il y a des nouvelles difficultés qui apparaissent et du coup, la résolution de problèmes amène finalement à la création d'une nouvelle expérience. Il est aussi profondément social parce que, et c'est là qu'on parle c'est dans la remise en cause et la transformation des normes professionnelles. En fait, finalement, les transformations, elles amènent à changer un petit peu, en partie ou totalement, mais souvent c'est en partie, son entourage socio-professionnel. Les agriculteurs avec qui on peut discuter en confiance et les conseillers avec lesquels on peut discuter en confiance des changements ne sont plus les mêmes que ceux qu'il y avait dans le monde d'avant pour eux, dans la mesure où il faut chercher des personnes qui ont une certaine expérience et qui sont capables de se réassurer sur les nouveaux choix qui sont réalisés, sur l'idée, par exemple, de baisser la production de ces vaches, d'accepter que ces vaches soient maigres à certains moments de l'année, etc. Souvent, en fait, on a affaire à, du coup, à un changement de référentiel. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que attention, quoi. Là, on a beaucoup travaillé avec des agriculteurs qui ont fait des choix de manière autonome et qui ont construit progressivement une transition agroécologique. Mais finalement, cette transition agroécologique, il ne faudrait pas qu'on arrive à l'idée qu'on va compter sur l'émancipation des agriculteurs pour la mettre en œuvre, en fait. Et finalement, où est-ce qu'on est questionné, nous, en tant que recherche, en tant que formateur, en tant que développeur, en termes d'émancipation, pour réussir justement à mettre en œuvre cette transformation? C'était vraiment là l'ambition, en fait, de cette présentation. Et je pense, en fait, que la transformation de nos mondes professionnels, en tant que chercheur, formateur, développeur, elle est au moins aussi profonde pour la réaliser, pour pouvoir réaliser cet accompagnement, en fait.
Merci beaucoup. Une dernière petite question pour faire le lien avec l'enseignement agricole, puisque il y avait deux questions de Guillaume et de Jonathan. D'une part, sur le fait d'intégrer justement dans les programmes d'enseignement supérieur et technique agricole des questions sur l'évolution des courants théoriques en sciences humaines. Est-ce que ça se fait? En tout cas, dans l'enseignement supérieur, Audrey peut répondre. Et sur l'évolution des revues techniques agricoles, est-ce que vous regardez un peu comment c'est les mondes des revues, parce qu'ils transmettent quand même pas mal les références, hein, les revues techniques. Est-ce que vous voyez dans ce monde-là, ça bouge ou pas? Alors, je peux juste commencer à répondre pour l'enseignement. Pour l'enseignement supérieur, alors ça se fait, on le fait parce qu'on l'expérimente dans le cadre aussi de notre recherche. Donc, ça se fait, on va dire, si les enseignants sont prêts à le faire. Parce que c'est quand même un changement, Xavier l'a très bien résumé, hein, c'est un changement pour tout le monde. Dans l'enseignement agricole technique, nous, on l'a mis en place avec des lycées. Donc, ça se fait, on va dire, à l'initiative d'enseignants. Ce n'est pas du tout encore quelque chose qui est mis en place et c'est très dur à enseigner. Hein. La preuve, on a finalement assez peu de publications à vous donner parce que ce n'est que le démarrage. Donc, c'est ça, il y a tout à faire. Et pour l'aspect des revues aussi, ben, je pense que Xavier, là aussi, l'a encore très bien dit. On est encore sur des revues qui sont sur un référentiel lié au monde A ou très productiviste. Et il y a peut-être un chemin à faire encore au niveau de ces revues pour aller vers d'autres systèmes. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des systèmes qui produisent, c'est des systèmes qui fonctionnent autrement. Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, donc vous avez vu qu'Éric Val souhaitait pouvoir en discuter dans son réseau de recherche. Et donc, je pense qu'Audrey, tu connais Magali Jouvin de l'Institut Agro, puisqu'elle est zootechnicienne. Mettez-vous en contact parce que votre démarche et vos recherches sont très intéressantes pour l'avenir. Donc, en tout cas, un grand merci à vous trois et merci à tous les participants. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et la semaine prochaine, nous aurons un nouvel agro-webinaire mardi. J'avoue que j'ai oublié le sujet. Ça sera sur l'horticulture connectée. Excusez-moi, horticulture connectée la semaine prochaine. Vous voyez qu'on passe d'un monde à l'autre, mais qui doivent se rejoindre. Agroécologie et agriculture numérique doivent se rejoindre. Merci à vous trois. Et puis, merci beaucoup, à bientôt. Philippe. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.